D'abord, je viens de regarder tout à l'heure la vidéo de Simon Digital avec les danseurs là. Moi, j'ai un problème avec cette vie-là. Vous voyez, j'ai un problème. Les danseurs, moi, je cause avec un. J'avais décidé, bon, on a qu'à parler quelque chose ou un événement, d'accord? Mais quand les danseurs venaient pour dire ce que vous savez depuis longtemps, parce que lors du direct, j'ai vu qu'il y a un qui a dit, le boss nous avait dit que quand il versait l'argent, il faisait des points. D'accord? Et que nous, on a dit en tête, vous étiez étonné parce que je vous donnais les 10 000 et 15 000. Gars, c'était 50 000 à vous donner. Pendant ce temps, la question que je vais vous poser, vous savez consciemment que le gars vous donnait cette somme-là et que le boss est venu vous dire la vérité. Normalement, quand l'enfant, vous savez que le congélateur n'est pas normal, je le dis haut et fort, vous devez déjà savoir que, déjà, le scieur, comme vous l'avez dit, prenait l'argent du petit. Est-ce que vous êtes sorti pour pouvoir dire ça à Siméon, pour pouvoir dénoncer cela? Ou bien vous avez mon numéro, est-ce que vous m'avez appelé JM? Vraiment, où ça va là? C'est comme ça. Vous avez laissé jusqu'à où aujourd'hui, congélateur là-bas? C'est là où vous allez venir dire qu'on vous doit vous aider. Il n'y a pas de problème. L'aide, vous allez avoir. Mais est le cas du congélateur? Ma question. Simon, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Simon, souvent là, c'est vrai, hein, tu fais un boulot qui est de tout faire pour que le congélateur revienne. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut aussi essayer de comprendre beaucoup de choses. Donc, moi, je suis vraiment préoccupé par le festival du riz de Saint-Froix. Donc, du coup, vous voyez, dans le noir, j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. Mais quand je regarde des vidéos, souvent, j'ai mal, quoi. Moi, je ne défends personne. Righty, il était venu pour être manager, même s'il a bouffé. Mais c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est même ce que je dis à Sylla. Quand tu viens dire non que Bilan prenait l'argent de l'enfant, il nous a tous manipulés, mais tu savais qu'il te manipulait. Et puis tu... En fait, c'est ça qui est mon problème. C'est comme moi, quelqu'un peut me dire non, JM. Il faut faire une vidéo, il faut dire non que Captain Sylla là. Il est con, faut dire Simon, il est comme ça. Moi, je sais que la personne ment, et puis je vais être derrière. Maintenant, demain, moi-même, il vient dire non que tu m'as manipulé, mais c'est ça que le problème, c'est toi. C'est comme quelqu'un qui va passer un concours et qui va donner de l'argent pour avoir un exemple simple. Il va passer un concours, il va donner de l'argent, peut-être 2 millions pour avoir le concours. Et il n'a pas eu le concours. Vous êtes sûr que la personne ira se plaindre à la police? Il aura raison. Normalement, c'est lui qu'on attrape, mettre en prison. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ce que vous faites, moi, je ne sais pas. Oubliez cette histoire des congélateurs. Vivez votre vie. Commencez déjà à vraiment en prendre ça au sérieux et puis chercher votre argent. Vous êtes des bons danseurs. Mais n'entrez pas dans ça. N'entrez pas dans ça. Merci. On est ensemble. Sinon que. Vous avez zaillé quoi? Voilà. C'est pas entre vous deux. Mais dans ceux-là, qui j'ai son numéro, il y a le numéro de 1. Mais vous avez zaillé. Vous avez zaillé. Je pouvais t'appeler pour te dire ça, mais je le dis parce que vous avez fait un direct. Vous n'étiez pas préparé à faire le direct. Et puis, il y a trop d'incohérences dans le direct. Et moi, ça me fatigue, ça me zibouille, quoi. Voilà. Quand je prépare un festival qui a cette taille-là, j'aime pas quand on m'embrouille. Donc, je vous laisse. Je réfléchis à beaucoup de choses. Calmez-vous les enfants, on est ensemble, JMCP.